Salut, je m'appelle Marine, j'ai intégré la relève il y a maintenant 3 ans et demi sur un poste de senior digital recruteur. Au niveau de mes missions, moi je recrute des profils commerciaux et digitaux de 0 à 7 ans d'expérience. L'objectif, c'est ensuite de les orienter au sein d'environnements start-up. J'ai deux principales casquettes. Je vais avoir la casquette d'account management. Donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre les besoins de mon client, de comprendre l'activité, les prérequis du candidat, instaurer une relation de confiance très rapidement. Et par la suite, j'ai la casquette recruteuse. Donc là, je vais aller réactiver ma base de candidats, je vais aller faire du sourcing sur LinkedIn, sur différents job boards et organiser par la suite un entretien visio pour bien comprendre ce que recherche le candidat et faire ensuite un matching avec les besoins de mes clients et les attentes du candidat. Au niveau de mon évolution, depuis mon arrivée à la relève, j'ai pu évoluer sur les profils que je recrute. Au début, j'étais plus sur des profils stagiaires et alternants. Aujourd'hui, je recrute des profils qui ont jusqu'à 7 ans d'expérience et des profils beaucoup plus divers. Et j'ai aussi la chance de manager 5 stagiaires en parallèle. Et aujourd'hui, je manage un CDI. Ce qui me permet de m'épanouir au sein de la relève, c'est tout d'abord les interlocuteurs avec qui j'échange. Ce sont des personnes super intéressantes, des personnes assez capées. Ça va être des fondateurs de start-up, ça peut être des talent acquisition ou bien des responsables grosses. Ce qui va aussi m'épanouir, c'est le fait d'avoir des missions très diverses et variées. Les semaines, elles se ressemblent jamais. Et aussi, le secteur du recrutement, c'est un secteur qui bouge tous les jours. Donc, c'est vrai qu'il faut être force de proposition, il faut essayer de s'investir à 100%. Et c'est pour cette raison, toute cette diversité de missions, toutes ces interactions que je m'éclate au sein de la relève.